Salut à tous, c'est Okonet, bienvenue sur League of Legends. Avant que la vidéo commence, je voulais juste vous présenter un site qui va beaucoup vous aider justement dans League of Legends, c'est you.gg. Le site va tout simplement vous dire quels sont les meilleurs objets sur votre personnage, ainsi que ses contres, et c'est très très facile à utiliser. Tous les liens sont dans la description et dans les commentaires. Alors si vous pouvez cliquer sur les liens là parce qu'on est en partenaire avec eux, ce serait vraiment formidable. Comment marche le site? C'est très très facile. Par exemple, on va dire que tu as envie de jouer Lux à la mid lane, mais tu sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc là, le site, en 2 secondes, il te dit quelles sont les meilleures runes, il va te dire quels sorts monter, les sorts d'invocateur, le build que tu dois prendre, le starting build, le core build, etc. Donc ça, par contre, c'est pour support, hein, parce que là, je vois les items support. Tu peux changer, par exemple, tu es à la mid lane, tu cliques tout simplement sur l'icône ici, hop, et il va te dire quelles sont les meilleures runes pour... Purée, mais en plus, j'avais même pas pensé à ça. Vas-y, faut que je teste ça, ça a l'air trop stylé. Donc après, là par exemple, il y a barrière, il y a des runes où tu te dis, bah, c'est bizarre, moi j'aime bien jouer Comet. Ça dépend, tu fais more stats, et là tu vas voir par exemple runes, et il va te dire plusieurs types de runes. Par exemple là, on voit évidemment qu'il y a Comet et Aeri, ça va dépendre de ton gameplay surtout, et de l'adversaire contre qui tu joues. Tu peux voir aussi les compteurs ici. Par exemple, tu peux voir en effet que Zilean, c'est extrêmement chiant contre Lux. Tu vas essayer de comboter quelqu'un, il va le res, Vel'Koz a plus de portée, pas qu'il y a un... C'est trop compliqué à toucher. Xerath a plus de portée, Udyr va trop vite, tu vas pas pouvoir toucher ton Q. Lui, il est invisible, il va te défurer avant que tu puisses le toucher. Bref, vraiment, le site est super pour tout le monde. Je vous le conseille fortement. Lien dans la description, merci beaucoup. Place à la vidéo. Je sens la bonne petite game en 0-10. Moi, je la sens, là. Je la sens, ça me fait plaisir. Ses cheveux me font penser à de la barbe à papa. C'est vrai. Alors, pourquoi j'ai arrêté de jouer Talia? Les gens, tout simplement parce que le Q ne fait plus de dégâts en AoE. Et le mur qui donne plus la vision, c'est casse-couille. C'est casse-couille, les gars. C'est pour ça que je mets la capuche, hein, pour cacher un petit peu les trous que j'ai. Mais, chut. Ça, YouTube, il sait pas. Du coup, on est contre Fizz. Je suis un petit peu déçu, évidemment, de jouer contre un Fizz quand on joue Talia. Tu vois, une petite Lux, tu vois, un petit Xerath, petit Fizz, Ziggs, je sais pas quoi, là, ça aurait été bien. Fizz, moyen. Moyen, Fizz. Je vais partir peut-être sur une Banshee très très vite. Alors, évidemment, Fizz, là, je fais le Mariole. Là, c'est bon, il est niveau 3. C'est fini, en fait. Là, je joue plus ou moins. Plus, là, en fait. On l'agresse vite fait avec la mana, comme ça. Alors, j'ai cru que je jouais avec Ignite. Du coup, j'ai fait ma barrière en le repoussant. D'accord. Donc, je joue avec barrière, excusez-moi. Bah, écoute, ça s'est plutôt bien passé. Oh, le mur! Let's go! Comment je vais vite? Ah, merde! Ah, putain, les chiens. Oh, les mecs relous! Putain, mais pourquoi j'essaie de sidestep un milliard de fois, là? Non, mais barrez-vous! Ah, vraiment? Ok, c'est relou. Bon, my bad. J'ai un petit peu provoqué les dieux, là. Donc là, je vais partir sur un Lost Chapter pour la mana, mais je vais partir très très vite sur une Banshee. Parce que sinon, je peux pas jouer contre Fizz, tout simplement. Ah oui, c'est pas mal. Bon, on les fait tous flash. Quoi? Ça va sur moi, putain. Oh merde, j'ai plus de mana, les gars. Ok, nice, bien joué. Je suis tellement concentré, là. Lui, il a plus de flash, hein. Bien joué. Putain, let's go! On les venge, là! On se venge. Oh, elle est morte. Je vais mid, moi, je m'en bats les couilles. Là, il va passer niveau 6. Il faut que je fasse très, très attention. On essaye de le faire un petit peu chier avant qu'il passe niveau 6. Ok, niveau 6, tout ce qu'il va vouloir faire, c'est utiliser son ultime défoncé. Moi, je me casse tout de suite. Je vais aller chercher... Ça me casse les couilles, en vrai. Parce que je voulais le Lost Chapter que j'aurais pas. En vrai, j'hésite à prendre les bots. S'il n'y avait pas Léona en face, j'aurais pas pris les sandales Mercure. Mais là, avec la Léona qui va me R, le fils qui va manquer... Non, je vais prendre ça. Pff, merci, mec. Heureusement, j'ai eu trop peur pour mon équipe, là j'étais en train de spam pour le fils qui potentiellement va décaler. Très bien ça. A l'époque en fait, quand tu montais de niveau, t'avais de ouf de la mana. Ce que tu n'as plus maintenant.
J'ai trop mal joué. J'aurais pas dû utiliser mon flash là. Il y avait pas besoin de flash. Fraîche lanterne. J'ai mis trop de temps à le tuer. Tu montes pas niveau 6 là? Niveau 10 non? Le mignon! Il a fait le tuer quoi. J'ai plus de mana. Ah oui, c'est mana free! C'est mana free ici, c'est vrai! Non! Terrible! La vengeance, la vengeance, la vengeance! C'est bon, je me calme. Faites gaffe, ça arrive. Hein. Il y en a qui arrivent ici. Bien joué, non, rien à dire. Ah! Oh. Oh le bâtard! Oh, il a changé pour barrière! Mais attends, mais c'est quoi ces réflexes de ouf? Ça c'est un putain de main, hein, parce que moi j'aurais pas du tout pensé à ça. Allez, par contre, t'as pensé à ça ou pas? Mec, t'as combien de shield? Pas mal, un petit timid live sur Leona, moi ça me fait du bien ça. A voir. La mana, ça va, on la perd pas trop vite. Ah, quoi, je perds vraiment mon truc là-dessus. Ok. Et merde. Ah, quoi? Oh, pourquoi je suis pas monté dessus? Excuse, vas-y, j'enlève, désolé. Les dots du fizz. Ah, putain, bien vu. Là, ça joue trop bien, le jeu est trop bien, là. Il est super agréable à jouer, le... Je pense que c'est les cheveux, les mecs. Ah, ils sont beaucoup à avoir le baron, hein. Mais je sais pas, moi, ça ping, il vous me dit d'y aller. My bad, putain. Je pensais que ça allait y aller tellement plus vite. Putain, il a eu chaud. Non, la game est bien, arrêtez de rager, là. Pourquoi il rage déjà? On perd... Pendant 2 minutes, allez même pas, 30 secondes, il rage déjà, s'il vous plaît, je disais que le jeu était bien là, les games étaient bonnes. En fait, le problème avec là, Talia, en fait, c'est pour ça que je la joue plus, hein. C'était parce que là, j'étais en mode nostalgie. Dash, 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 dash. Du coup, mon mur ne sert absolument à rien, juste pour Leona. Et encore, Leona a un dash avec son E. Tous les champions ont des dash. Mon mur, encore une fois, ne sert pas à grand chose. Faudrait vraiment qu'ils engagent et qu'ils fassent l'erreur d'engage quelque part, mais sinon, pas ouf quoi. Je peux rien faire, putain. En fait, Talia se fait beaucoup trop counter par beaucoup trop de champions. Alors que Nico, en vrai, Nico, ça, elle se démerde super bien. Genre, je ferai des dégâts, mais il faut vraiment que je me commit de ouf et c'est ultra risqué. J'étais quand même un main avant, quoi. C'est triste, les gars. Le Z m'a l'air un peu perdu hein, dans ses moves. Je sais pas trop ce qu'il fait dans ses moves. Là, c'est con parce que là, ça me donne même plus de vision.
Mais attends, c'est le trop là. Mais c'est le trop là, les gars. Écoute. Ah oui, non, parce que en fait, on a plus de base en fait. Ok, très bien. Ouais, on a perdu juste la base. C'est quoi une base? C'est la défaite. Ah, ok, d'accord. Oui. On va racheter des control wards ou pas? En fait, j'aimerais bien avoir une staff. Parce qu'ils ont quand même pas mal de résistance magique. Ah, un Liandry! Ouais, mais un Liandry contre eux, en vrai, j'ai l'impression que ça sert à rien. Non, je vais pas prendre de Control Ward. Je vais prendre le Void Staff. Bah, le Void Staff. Baguette explosif. Ah oui, fuck! Attends, ah oui, Zed est pas là, ok. Vas-y, Thresh, go devant. Le fils qui va flank derrière, je crois. Je vais essayer de me mettre dans la mêlée. Ok, fils est là-bas. J'ai pas trop envie de mourir. Ok, 3 kills. Il reste Kayn, hein. Il reste Kayn, hein. Il peut me tuer, mais en 2 secondes le Kayn. Hein. Je vais retourner à la base, moi. Quoi? Tu te fais baiser? Non! Oh le Z, plus jamais je laisse le Z backer tout seul. Oh mon dieu, est-ce qu'il joue avec une téléportation? Oui. Coin, désolé, je suis concentré là. En fait, je fais une erreur, je suis mort. C'est fini, la game est finie si je fais une seule erreur. Le Z, il peut mourir parce qu'on a l'habitude et maintenant on sait qu'on est plus ou moins en 4v5. Il est mort. Ah, j'ai un Rabadon, faut pas déconner, hein. Il a pas de résistance magique à part des ondes à Mercure. Allez, j'en ai bloqué 2. Il a activé son truc, il prend 0 dégâts. C'est pas mal en vrai, c'est pas mal en vrai. Mon mur les a bien bloqués. On est bien, on est bien. C'est parti pour le flash in. En vrai, les games sont complètement épiques avec Talia. Genre, je surkiffe ça. Hein. Je crois qu'on vient de gagner la game là. And, je pense qu'on vient. Non, on a pas de creep. Je me mets devant, vas-y, on s'en fout. Ça picote un peu quand même. Ok, les minions arrivent. On a 20 secondes. Avec le Kayn qui arrive là. Je suis mort comme une merde. Go, 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 finissez, finissez, finissez. Oh, cette game était tellement bien en vrai. Oh putain, yo. Heureusement que le Kayn fait des erreurs. Heureusement que le Kayn a fait des erreurs. Putain, c'était trop beau ça.